tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai fini ma magnifique toile de la fée Clochette qui me vient de la boutique e-broderie Diamant. Donc je vous remets bien sûr en barre d'infos le lien de la boutique, le lien de cette toile, sachant que celle-là c'est une 35/60. Moi je vous conseille de ne pas la prendre trop petite parce que vous pouvez choisir sur le site les tailles. Et si vous voulez des diamants carrés ou ronds. Bon, alors pour les diamants, ça dépend de votre choix. Mais au niveau de la taille, si vous prenez plus petit, je pense que les petits détails ne ressortiront pas. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Donc, j'ai enfin fini. Et c'est juste une tuerie. Regardez-moi ça. Regardez comme elle est belle. Franchement, c'est une pure beauté. Voilà, j'adore. Je vous parle de la taille, surtout voilà, au niveau là, des tatouages. Qui, cela dit entre nous, même là, si je regarde moi là, je le vois, ça se voit pas. On ne voit pas. Là, au retour caméra et de loin, ben oui, là, ça se voit en fait. Mais de près, ça me fait, c'était sur quelle toile aussi, c'était la fée bleue je crois, en fait de près là on voyait pas le visage et tout, c'était ça ressemblait à rien quand on le fait et en fait ça ressort super bien, voilà, c'est donc je vous montre cette beauté, elle brille, faut savoir que là il pleut donc la lumière n'est vraiment pas terrible et regardez comme elle brille, franchement c'est du bonheur. Donc je suis ravie. Je voulais encore remercier e-broderie Diamant de m'avoir confié cette merveille. Franchement je me suis régalée. Donc celle là ben là je vais juste après, mais je vais attendre de la coller. Je vais passer le rouleau dessus. Je vais venir bien faire les angles. Je vais essayer de comment dire, d'être un peu plus droite là, voilà, parce que je pars toujours un peu en cacahuète et voilà, le seul truc c'est que c'est vrai que sur le clair on voit le fond, le rond là, ça se voit, je sais pas pourquoi, sur ma dernière vidéo il y a une de mes abonnées qui m'a dit que ça venait que les couleurs claires étaient peut-être taillées plus petit. Donc, je ne sais pas, mais ce serait possible parce que ça le fait que sur les diamants en clair, là, tout ça. Donc, ce serait possible. Moi, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste et c'est la première fois que ça me le fait. Donc, voilà. Mais je pense que ça vient de moi aussi quand je les ai mis. Pourtant, je me suis appliquée, mais bon, je ne sais pas. Il y a quelque chose que je dois mal faire. Je ne sais pas. Elle m'a conseillé d'essayer avec une règle. Je ne sais plus le nom qu'elle m'a dit. Donc, je vais essayer de m'en procurer une pour voir, ben, pour les prochains projets, hein, pour voir ce que ça donnera. Et voilà, ben, en tout cas, moi, je suis ravie. Donc, je vais venir passer le rouleau, bien la mettre droite sur les bords. Et puis, qui sait, peut-être, je vais essayer de passer avec vous savez, la raclette, la blanche que j'ai. Peut-être entre pour mettre tout ça bien à plat. Je sais pas du tout. Ah, là, j'ai un diamant qui s'est mis à l'envers. Hop, attendez. Ouais, on s'en fiche, on est entre nous. Hein. Ouais. On fait ça. Hop, voilà, ça y est, je l'avais mis à l'envers. Donc, voilà. Bon, ben, que vous dire que c'est une tuerie, que je suis ravie de ce partenariat, que cette toile va être encadrée. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut que je trouve un cadre de 35/60. Je ne sais même pas si ça existe. Voilà. Au pire, ben, on trichera, hein, comme d'habitude. On prendra un peu plus grand, puis on trichera. C'est juste que du bonheur. Cette toile, c'est que du bonheur. Je ne vais pas de trop la toucher, parce que les diamants bougent pas mal. Mais bon, ça, c'est de ma faute, parce que vous savez, la colle rose, là, j'en mets trop sur le stylet. Hein, là, j'en mets trop.
Et du coup, après, ben, en fait, les diamants glissent un peu. Donc ça, c'est de ma faute parce que niveau qualité, la toile, ben, elle est top. Niveau colle, c'est top. Ça colle super bien. Des fois, si vous vous trompez ou qu'il y a un diamant qui tombe, il faut la pince. Il faut bien forcer pour l'enlever. Franchement, rien à dire de ce côté-là. Les diamants, ben, ils parlent d'eux-mêmes. Super bien taillés. Voilà. Donc vraiment que du bonheur. Moi, je recommande cette boutique. Ça fait plusieurs projets que je fais de chez eux. Ça doit être le 3-4e. Ouais. Et c'est que du bonheur. Donc moi, je vous parle pour des diamants ronds. Attention, je n'ai jamais essayé les diamants carrés chez eux. Voilà, moi, je suis plutôt diamant rond. Même si du coup, ben, j'ai acheté des diamants carrés sans le savoir, mais je préfère les ronds. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Les carrés me font peur. Mais de toute façon, il va falloir que j'en fasse. Donc, moi, je vous parle pour Ibroderie Diamant. Pour les diamants ronds, vous pouvez y aller. Niveau qualité, c'est top. Alors, certes, c'est un chouïa plus cher qu'ailleurs. Mais franchement, vous voyez, celle-là, je l'avais vue sur une autre boutique, mais en plus petit. Et je ne suis pas sûre que ça aurait rendu aussi bien. Regardez les yeux, comment ils ressortent et tout. Enfin, franchement, c'est que du bonheur. J'ai un gros, gros, gros coup de cœur dessus. Je suis ravie. Et il me tente trop ben, de la coller et puis de l'encadrer, quoi, tout simplement. Et de l'accrocher au mur, ça va être trop beau. Bon, je suis pas sûre que mon mari apprécie la fée clochette sur le mur, mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Mais elle est trop belle, voilà. Donc, ben, écoutez, oui, je vous mets en barre d'infos le lien, forcément, de la boutique et de cette toile. Et je vous mets aussi le lien, un code promo, car Ibroderie a mis en place pour vous, mes abonnés, un code promo de 10% sur vos commandes. Donc en fait, pourquoi s'en priver? Si vous comptez passer commande, je dis bien si vous voulez passer commande, je vous force pas à passer commande, mais je vous le dis pour que si vous vouliez passer commande, que ce soit pour cette toile ou une autre sur ce site-là, ben, vous vous en serviez parce que c'est bête de passer à côté de 10%. Parce que c'est mieux que rien, voilà. Hein. Sachant que sur leur site, ils font une promo. Alors, je crois que c'est trois. Je sais plus si c'est deux et une achetée, offerte. Deux achetées, une offerte. Ou si c'est trois achetées, une offerte. Il y a une promo comme ça. Je vous dirai pas parce que, voilà, j'ai pas de mémoire du tout. Et j'ai eu beau regarder tout à l'heure. Je ne m'en souviens déjà plus. Je sais, je m'appelle Doris, en fait. Mon deuxième prénom, c'est Doris de Nemo. Bref, n'est-ce pas, Véro? Si tu passes par là. donc, voilà. Mais il y a une promo sur cette boutique. Donc, je vous laisse aller la découvrir. Pensez bien au code promo si vous devez passer commande. Voilà, pour économiser 10%. Et puis, voilà. Franchement. Je pense même que plus grande, elle doit être tip top. Voilà. Parce que elle est vraiment très très belle. Mais parce qu'il y a plus grand aussi, hein. Il y a plus petit, mais il y a plus grand. Et ouais, c'est que du bonheur. Et je suis ravie de ce partenariat. Voilà. Vous voyez comment ça brille. C'est tip top. Moi, je sais, mais je suis amoureuse de cette toile, en fait. C'est, je sais pas pourquoi, mais voilà. Non, ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc, bien entendu, mon avis, c'est que vous pouvez aller sur cette boutique. Moi, j'adhère. Je valide cette boutique. Je valide cette toile. Mis à part mon petit souci, mais ça vient de moi, je pense. Hein. Voilà. Quand je vous dis que je suis pas une pro, hein. Donc. Moi, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas trop comment faire pour que moi je l'arrange. Mais en attendant, voilà, je suis convaincue que ça, les petits problèmes du clerc, ça vient de moi et non pas de la boutique. Sur le chat, je n'ai pas eu de problème, ce problème-là. Donc voilà.
Après, peut-être que oui, elle a raison que les couleurs très claires sont peut-être taillées un peu plus petites, je ne sais pas. Voilà. Si j'y pense, je demanderai à Lisa, la dame que je suis en contact avec elle pour y broderie diamant. On verra. En attendant, moi, c'est que du bonheur et me tarde trop de la coller. Je ne sais pas si je vais pouvoir la faire ce week-end parce que j'ai un week-end chargé. Bref, moi, je suis aux anges. Mais écoutez, sur ce, j'ai fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis conquise et je vous invite d'aller faire un tour sur cette boutique si vous êtes comme moi, que vous avez un gros coup de cœur. Voilà. Ils ont plein de très belles toiles. Franchement, voilà, le choix est très dur sur leur site, mais bon, faut bien choisir. Donc voilà. Non, ben écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais vous faire tout plein de gros bisous et je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.